Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo What's in my cheer bag. C'est une vidéo que vous m'avez demandé en commentaire sur YouTube, je crois, et aussi sur Instagram. Donc si vous avez pas mon Instagram, je vous le mets là. Et si vous avez d'autres requests de vidéos qui vous intéresseraient, bah dites-le moi en commentaire directement, et comme ça je peux le faire. Je vous avoue que j'étais un petit peu gênée de faire cette vidéo parce que je me suis dit que un What's in my bag c'est pas très intéressant parce que je mets pratiquement rien dans mon sac de cheer. Donc j'ai décidé de faire un What's in my bag Competition Edition, ce que je prendrais en compétition. Avant ça, je vais aussi inclure ce que je prends en général quand je vais m'entraîner. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous intéresser, etc. Enfin, je pense que si vous l'avez demandé, c'est qu'elle vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like et un petit comme, merci. Juste avant qu'on commence, j'ai envie de vous montrer mon make-up. Genre, mon truc rose là, ça le fait pas trop. Je suis trop contente! Dites-moi ce que vous en pensez. Et yeah, let's get started. Ok, je vais commencer par la partie entraînement. Donc ce que je prends tous les jours pour m'entraîner, ça va prendre vraiment 2 secondes. Parce qu'il n'y a rien dans mon sac concrètement. Juste pour vous montrer mon sac d'entraînement. C'est un sac genre normal. Ça c'est quand je vais coacher, mais je peux aussi m'entraîner avec ce sac. Ça dépend de où est-ce que je vais. Et mon vrai sac de cheer, regardez la taille à côté. C'est vraiment pour vous dire que quand je vais à l'entraînement, j'ai besoin de rien quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo allait pas être très intéressante parce qu'elle allait être super rapide vu que je prends rien avec moi en fait. En général je prends ce sac-ci cette année. Donc chaque année je change de sac. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de chance parce que j'en gagne tout le temps. Donc du coup celui-là c'est le Varsity Black Sparkle. Il est super beau, il y a le Varsity devant et il brille de ouf en vrai au soleil. Et en plus il est super grand. Il est formé un petit peu comme le sac Infinity de base. Donc là, vous avez le logo Varsity. Et vous avez les lanières ici, mais je vous expliquerai après comment je le style. Donc, en général, je prends ce sac. Mais je prends aussi très souvent ce sac. Donc, c'est un sac à main normal. C'est un Claudie Pierlot. Croyez-le ou non, je mets mes affaires dedans. Vraiment pour vous dire à quel point j'ai rien dans mon sac. En fait, toutes mes affaires de cheer, je les mets sur moi. Enfin, ma brassière, mon short, mes t-shirts, je les ai déjà directement sur moi. Donc en général, je m'entraîne avec une brassière Nike comme ça, ou n'importe quelle brassière, que ça soit chez Varsity ou chez Nike. En tout cas, c'est un des deux à chaque fois. Là, pour exemple, j'ai pris cette brassière, qui est vraiment géniale, et un short Nike Pro. En général, je mets 2 shorts, mais que les shorts collés. Enfin, je vous explique ça dans une autre vidéo dédiée aux vêtements de cheer à prendre en général. En tout cas, j'ai directement ma tenue d'entraînement sur moi, donc j'ai pas à les mettre dans mon sac, et il me reste plus que le t-shirt ou le hoodie à mettre. Mais pareil, en général je mets directement mon t-shirt sur moi, j'ai besoin de rien mettre dans mon sac. Et du coup ce qui est pratique, c'est que si je sors avant ou après mon entraînement, bah en fait je peux être habillée normale sans avoir à me trimballer un gros sac avec des paillettes et tout, parce que j'avoue que vu la plupart des gens, ils sont pas dans le monde du cheer, donc ils comprennent pas en fait pourquoi est-ce que t'as un sac avec des paillettes. Bah j'ai directement mon sac normal comme ça, et il y a toutes mes affaires qui rentrent dedans. Ce qui est essentiel pour les cheerleaders, surtout pour les fly, ce sont les chaussures de cheer. Donc moi j'ai des Infinity Evolution que j'ai depuis 2 ans. Je vous montre, hop, ça rentre dans mon sac, easy peasy. Et du coup j'ai juste besoin de ça en fait, et du strap et des trucs pour les poignets, mais je vais montrer ça quand je vais faire le plus grand truc. Mais c'est juste pour vous montrer que voilà, genre vraiment en fait c'est ma bague version je vais aller m'entraîner, à part mes affaires de sport que j'ai sur moi, mes chaussures et du théo, vraiment j'ai besoin de rien. Très minimaliste mais très efficace. Ça c'est pour la version entraînement. Ensuite on passe pour la version compétition, et là j'ai beaucoup plus de choses à dire et à vous présenter. Cette année, comme je vous l'ai dit, je vais peut-être, je suis même pas encore sûre, mais je pense que je vais prendre le sac Varsity pour les compétitions. Chaque année je change de sac, et des fois je change de sac aussi juste parce que j'en ai envie. Et je vais vous montrer la version de mon sac avant, bah du coup quand j'étais encore chez GRXS, à quoi il ressemblait, parce que je l'ai décoré. Et à chaque fois que je vais en compétition, je décore mes sacs, et quand je vais en entraînement, je décore pas mon sac. Donc en plus, vu que c'est un nouveau sac, je sais pas encore comment le décorer, genre qu'est-ce que je vais mettre et tout. Vu que j'ai changé de club, donc maintenant je suis chez Paris Cheer, je ne sais pas les goodies qu'il y a et ce qu'il faut avoir dans son sac, donc c'est pour ça que j'ai pas encore commencé à décorer et que je vous montre l'ancienne version de mon sac de compétition. Ok, donc pour mon sac de compétition, voici le sac que je vous présente. C'est le Infinity Blue Sparkle. Donc Varsity et Infinity, ce sont des marques de cheerleading. Je voulais vous présenter le bleu parce que il était déjà décoré, genre je l'ai pas dédécoré depuis ma dernière compétition, je crois.
ou ma dernière représentation publique entre guillemets. Donc il y a encore tout dessus. J'ai aussi le noir et la version teal. Je vais vous présenter celui-là. Si vous faites du tir, vous savez, c'est normal d'avoir un sac aussi chargé. Si vous faites pas de tir, j'avoue que pour vous c'est un petit peu bizarre. Donc en haut, je vais accrocher le nœud que j'utilise pour les compétitions. Donc si vous savez pas, le système chez TierXS, c'est que chaque équipe a sa couleur. Donc l'équipe Empire dans laquelle j'étais, l'équipe Elite a la couleur rouge et chaque autre équipe a une couleur différente et c'est comme ça que tu distingues qui fait partie de cette, de quelle équipe. Je le mets en haut, je suis sûre de pas l'oublier et que j'aurai mon nœud si jamais on doit utiliser le nœud. Parce que bon, on n'utilisait plus trop le nœud parce que c'était plus trop à la mode, donc du coup on se coiffait autrement. Donc vous pouvez voir aussi dans mon vlog compétition à Lausanne, je crois, comment on se coiffait, comment on se préparait. Donc vous pouvez voir un petit peu plus le style qu'on avait. En dessous, j'ai accroché quelques médailles. Maintenant, je n'accroche que mes médailles internationales. Avant, j'accrochais aussi mes médailles nationales, mais ça faisait un petit peu trop chargé. Et les médailles françaises, vous savez, c'est le petit genre. Le ça là, je sais plus comment on dit, le ça, c'est le tout fin bleu blanc rouge là, et la médaille est toute petite et c'est pas esthétique en fait, je trouve que c'est pas beau. C'est pour ça que je prends que mes médailles internationales. Cette médaille ici, la compétition auto à Londres, et j'adore cette médaille, je la trouve vraiment trop trop belle. Et la lanière est comme ça, en dégradé violet et bleu, super joli. Il y a écrit Leave Your Legacy sur la lanière. Ensuite, au milieu, j'ai ma médaille des Worlds, la médaille classique des Worlds, donc une des médailles que j'ai quand j'ai fait les Worlds. C'est dommage qu'il n'y a pas l'année écrite dessus, parce que du coup, j'arrive plus à reconnaître quelle médaille est quoi. Et la médaille de 2019, ça, je sais que ça, que c'est celle de 2019 parce que... non, pas 2019, oh, je sais même plus maintenant, mais je crois que c'est 2019. Je suis allée aux Worlds en 2019? Oui, c'est 2019. Donc du coup, c'est 2019 parce que c'est ma seule médaille bleue des Worlds. Et du coup, on ressemble à ça. Sur les deux médailles, il y a écrit Cheerleading World Championship. Ensuite, on descend et en dessous... Ça fait trop de bruit. En dessous de mes médailles, j'ai mon bandeau Empire qu'on utilisait aussi soit pour mettre au niveau du genou ou quoi que ce soit. J'aime décorer mon sac de sorte à ce qu'il soit beau, mais aussi de sorte à ce qu'il soit pratique pour que j'ai pas trop de trucs à prendre. Donc je prends vraiment tout le strict minimum nécessaire. Et sur le côté, je mets aussi d'autres nœuds. Donc là, j'en ai accroché que un parce que j'étais pas en compétition. J'étais juste à une autre présentation où il y avait d'autres personnes que ceux que je coach d'habitude ou les gens de mon équipe d'habitude. Donc je fais un petit peu plus la meuf. Bref, du coup j'ai ce nœud TierXS et j'ai un bracelet parce que des fois on se donne des cadeaux, donc ce bracelet là c'est un bracelet depuis 2014 et j'ai aussi un stylo parce que quand on fait des compétitions il y avait pas mal de filles qui aimaient bien qu'on écrive sur leur bracelet qu'elles avaient ramené et que du coup j'ai écrit dessus pour leur souvenir. Et sur l'autre côté j'ai un autre nœud TierXS et celui là en fait il vient de l'équipe Enlight et c'était l'équipe que je coachais, donc du coup j'avais un nœud pour... Je coach une équipe et je suis contente d'avoir le nœud de l'équipe que je coachais. Le derrière de mon sac est comme ça. Et vous pouvez voir qu'ici il y a des lacets dorés. Et en fait c'est des lacets qu'on avait achetés pour l'équipe Enlight que je coachais avec Myriam. Et les filles mettaient un lacet sur leurs pieds. Et nous du coup on les a mis sur notre sac encore une fois pour signifier qu'on était leur coach. Et je trouve ça super beau. Voilà à quoi ressemble mon sac à l'extérieur pour les compétitions. Maintenant on passe à ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc qu'est-ce que je ramène avec moi en compétition? La première chose que je ramène c'est ma trousse à maquillage. Ça dépend en fait du mood de la grosse Nataloche qui me maquille, parce que c'est tout le temps elle qui me maquille en compétition. Tous les maquillages que vous me voyez porter en compétition, c'est en général Nathalie qui me maquille. Ensuite j'ai mes chaussures que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc c'est les Infinity Evolution. Et elles sont genre éclatées de ouf parce que ça fait 2 ans que je les ai. Et vu que je suis flyer, bah moi les bases, ils sont comme ça en train de s'exciter sur mon pied. Donc c'est pour ça que ma chaussure s'abîme plus facilement. Donc à cette époque-là, on devait absolument ramener notre tenue d'entraînement du club. Donc moi, c'était celui-ci. Quand on fait nos entraînements dehors, avant les compétitions, on portait la tenue d'entraînement pour être tous corda. Ça me fait bizarre de présenter ça. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes Piu-Piu. J'aime vraiment voyager confortablement. Le chemin vers la compétition, j'ai une dégaine mais flagada. Et aussi le retour. Et c'est que quand je suis en compétition que vous me voyez présentable. J'ai mon déodorant et j'ai aussi une brume. Je pense que cette année je vais prendre cette brume. C'est celle que j'aime le plus. Donc c'est une Victoria's Secret évidemment. Bah, j'ai ma tenue de compétition dans mon sac. Là je retrouve pas ma tenue de compétition. Donc c'est pour ça que je peux pas vous présenter. Ensuite j'ai du strap. Donc j'utilise ce genre de strap là moi.
C'est celui un petit peu élastique et épais, donc ça je crois c'est du 6 cm parce que je suis blessée girl, donc du coup j'ai besoin de me strapper tout le temps. Et je prends aussi du underwrap, donc c'est ce que tu mets avant le strap, comme vous pouvez voir dans une de mes vidéos où je mets le truc bleu ou peu importe de quelle couleur. Je pense que pour les compétitions je vais prendre la couleur blanche, mais pour les entraînements je prends n'importe quelle couleur, je m'en fiche parce que c'est les entraînements quoi. Ensuite évidemment tout ce qui est matériel de coiffure, donc ça dépend comment on sera coiffé. Pour les compétitions en général on nous le dit avant, j'ai des mini élastiques à chaque fois au cas où. Je prends aussi mes bijoux avec moi, même si normalement j'ai pas le droit, mais je les enlèverai avant de partir en compétition parce que je me sens trop nue en fait sans mes bijoux. Et je prends aussi des faux cheveux. Je prenais des couleurs bleues, couleurs roses, je voulais une couleur verte aussi mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais en tout cas j'adore en fait être pimpée et avoir de l'originalité sur moi, parce que quand je vais en compétition j'ai l'impression que je vais présenter un spectacle à un public, et du coup j'y vais un petit peu en mode tenue de scène et je kiffe vraiment cette ambiance où tu peux être maquillée de ouf avec ta tenue de compétition, vraiment trop jolie avec plein de strass tout ça. Donc il faut absolument pour moi que les cheveux aillent avec. C'est pour ça que j'adore les clubs All Star, parce que c'est hyper fancy. Mais bon, maintenant que je suis chez Paris Tiers, je sais pas comment est-ce qu'on doit être coiffé. Je crois que ça va être un peu plus sage, donc je vais voir comment je vais m'adapter. Mais bon, je vous avoue que je suis triste de pas avoir ma dégaine extravagante. Donc voilà, en tout cas au final je me suis grave amusée à tourner cette vidéo, donc merci à la personne qui m'a proposé cette idée de vidéo. Vraiment je suis trop contente parce que vous avez vraiment de bonnes idées. Franchement quand on a des échanges comme ça, moi je kiffe de ouf, donc n'hésitez pas. Et puis c'est tout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ce sera juste là, et aussi à participer en fait, parce que vous êtes nombreux à me suivre sur Insta mais vous participez pas, genre je comprends pas le point, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur Insta, feel free, et vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Par contre quand vous posez des questions sur des vidéos que vous avez vues et que vous venez sur Insta, le plus simple c'est de poster la question directement sous la vidéo pour que je puisse comprendre mieux votre question et savoir de quoi exactement vous voulez parler et de quoi vous avez vraiment besoin. Donc j'ai hâte qu'on se retrouve la prochaine fois. Bisous.